Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans les produits terminés. Donc c'est parti, donc on va commencer avec les scies assouplissants et tout ça. Donc de la marque Soupline, on a fini celui-ci. Donc c'est le moment magique, câlin d'amour. Et sent divinement bon. Donc on rachètera. En plus, c'était en promo il n'y a pas longtemps. Donc ensuite le Dash, donc Lénore, donc. Fleur de frangipanier. Ils sont souvent en promo ceux-là, donc c'est pas mal. Et ensuite on a le coquelicot et les fleurs de cerisier. Donc ensuite, hier je me suis fait ça là. Franchement, on en parle de la chaussette bizarre. Déjà la chaussette. Quand tu le mets, ça m'a coulé dessus. Enfin, ça a coulé partout d'ailleurs. Ensuite, quand tu mets tes chaussettes, bah, tu dois mettre les chaussettes qui sont dedans, plus une paire de chaussettes pour que ça tienne mieux. Mais en fait, ça nique les chevilles avec le papier là. Ça te rentre dans la peau et tout. Non, j'ai pas kiffé ça. Donc, même si c'est efficace, franchement, je le rachèterai pas parce que ça m'a saoulé et je l'ai mis moins d'une heure. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le Château Blanc Noisette. Au chocolat blanc. Il était bon, mais en fait, les petites noisettes, elles sont entières, donc j'aime pas trop. Ensuite, j'ai fini dans cette marque, la bougie parfumée, truc tropical, là. Fruits de tropicaux, fruits des tropiques. Et ben, franchement, c'est de la merde, parce que ça ne sent rien du tout. Enfin, c'est inexistant quoi. Ensuite, j'ai terminé le Mavana Pétale d'Orient. J'ai pas kiffé sa petite gel de douche là. Donc, je ne racheterai pas du tout celui-ci. Après, ma famille l'a testé donc, ok, mais moi non. Je racheterai pas ça. Ensuite, Yankee Candle, la petite bougie en fait. Et c'est à la pivoine et bon, j'ai un peu fort. Non, je ne rachèterai pas cette petite odeur-là. Donc voilà. Alors, j'ai fini aussi l'extra. Bon, il sent bon. Puis souvent, c'est en promo ces marques-là. Alors, j'ai fini. Bon, je dis fini. Non, j'ai pas fini, mais en fait, il n'y a plus de mèche. Du coup, ben voilà. C'était celle-ci, c'était à quoi? À Vanille des Îles. Elle sentait meilleure que la précédente. Ensuite, j'ai terminé le Sanex Zero. Sans parabène, sans aluminium, sans alcool. Ensuite, j'ai terminé le Flaubert Bekenzo. Donc la bouteille comme ça. Là. Franchement, j'ai pas aimé l'odeur. Donc je rachèterai pas en food size. Alors, de chez Yankee Candle, la Kralin. Ouais, bon, bref. Celui-là. Donc, c'est quoi? Feu de bois crépitant. Il sentait. Bon, ça sent fort, mais ça sent hyper bon. Il y a de la colle. Ensuite, j'ai fini la vanille. Bon, elle sent bon aussi. Hein. Ensuite, j'ai terminé les petites lingettes comme ceci de chez Action. J'ai encore un paquet à finir, mais je pense pas que j'ai. Elles sont bien pour nettoyer la peau, mais mieux vaut prendre votre nettoyant d'habitude. Ça, c'est juste quand
T'arrives le soir, t'as oublié de laver ta peau, enfin ton visage. Ça peut être bien comme ça. Mais sinon, sans plus. Mieux prendre son nettoyant habituel, ça marche aussi bien. Donc ensuite, alors de chez Bonduelle, j'ai acheté une petite salade. Donc c'était poivron rouge, boulgour, poivron rouge, haricots rouges et cumin. Ce genre de choses. Bon, j'ai pas kiffé, la sauce a été. Il y avait trop de sauce en fait dedans. Trop de vinaigrette ou je sais pas quoi. Ensuite, ceux-là, je les aime bien. C'est à la vanille, c'est les petits biscuits du petit-déj. C'est ce que je mange le matin quand j'ai pas le temps. Me tremper dans mon verre de chocolat, c'est bon. Je les rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'en ai acheté un autre. Ils sont. C'est aux pépites de chocolat, je crois, et ils sont légers en sucre. Ensuite, les balistos. C'est aux fruits des bois. Ils sont bons, mais sans plus, quoi. Ensuite, c'était quoi? Alors, miel et amandes, normalement. Ceux-là, ils sont meilleurs. Bon, après, on achète ça occasionnellement. Alors, j'ai aussi terminé. Enfin, je jette. Concrètement, des petites boucles d'oreilles comme ça parce qu'elles commencent à être un peu. Vu que c'est du toc, elles commencent un peu à verdir. Donc, ça, je jette. Ensuite, je jette d'autres petites boucles d'oreilles dans des petites boucles d'oreilles comme ceci. Alors, c'était vendu. Une est vendue avec ça. Et en fait, l'autre bout, je l'ai récupéré. En fait, ça faisait ça et ça, voilà, comme ça. Un peu un fond piercing en fait. Donc ça, vu que c'est encore en bon état, je les ai gardés. Et du coup, bah ça je jette parce que c'est carrément. Ça fait des mois que je dois le jeter. Et franchement, il commence à être vraiment dégueulasse. Donc bah du coup je les jette. Donc c'est une paire que j'ai achetée. Après j'en ai racheté une. Parce que comme ça, j'en voulais une. Et que après ça a verdi, mais bon. Du coup, bah, je les jette. Hein. Ça fait des années que je l'ai. Ensuite, ouais. J'ai terminé des petites photos comme ceci. Donc, des A6, 10 sur 15 cm. Donc, elles sont bien. Je crois que je les ai eues à Auchan, celles-ci. Mais elles sont plutôt bien. J'ai fait des photos il n'y a pas longtemps. Donc, je l'ai mis dans le carton, tant qu'à faire. Alors, ensuite, bah, pour rester dans la photocopie. Papier étri et tout. Donc c'est des cartouches d'encre bon, de cette marque là, Witch, ou un truc comme ça. Donc il y a toutes les couleurs dedans. Donc c'est pas mal. Apparemment c'est 3 ans. Donc ça doit être, c'est garanti 3 ans. Mais je crois qu'on a plus le ticket de caisse, puis ça doit faire plus de 3 ans. Parce que j'ai une photocopie dans ma chambre et j'avais un peu abandonné. Parce qu'il fallait. À mon avis, il fallait faire un truc, je sais pas quoi. Parce que j'arrive pas à faire des photocopies. Faut que je relis. Enfin bref, je m'étale. Ensuite, on a terminé des granolas. Bon bah, comme ça. Bon, c'est pas mes préférés, mais bon. Tremper dans le gelée, ça c'est bien. Ça se casse la maracolette ici. Ensuite, j'ai fini les suifeurs, donc les petites lingettes pour faire le sol. Ça attrape très bien les cheveux et tout. Parce que voilà, quand même. Ensuite, on passe dans la lessive. Enfin, non, ça c'est l'assouplissant. Donc, les Nord. Donc, c'est Parfumel envolé d'air zébrier. Ok. Bon, je sais pas ce que c'est comme senteur, puis je vais pas regarder non plus. Bon, bref, c'est ça. Ça sent très très bon dans mes souvenirs. Ouais, ça va, ça sent bon. Ça sent un peu fort. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ça reste un peu sur les vêtements. Donc je sais pas, c'est. On peut faire 46 lavages apparemment avec. Celui-là, on peut faire 26 lavages. Donc, c'est les Nord. Harmonie Nocturne.
Donc c'est largement plus petit, hein. 60, non, 650 millilitres et là ça fait 1 litre 15. Ça je crois qu'on l'avait eu à Aldi ou un truc comme ça. Donc voilà, bon pour tester. Bon, on fait quand même 26 lavages, donc c'est plutôt quand même rentable, on va dire, entre guillemets. Ensuite, j'ai fini ce fameux shampoing, non, conditionneur après shampoing. Donc enfin, bon il était bien mais franchement pour le volume, enfin le format et tout, 400 ml, ça fait beaucoup et moi je reste avec celui que j'ai déjà de John, je sais plus quoi. Donc là je suis en train de le terminer. Donc il était bien, hein, je vais pas cracher dans la soupe. C'était Laura qui me l'avait offert dans un swap il me semble. Donc ça venait de Noz il me semble. Et du coup, ben, je peux pas le racheter si j'aurais voulu le racheter, parce que je ne sais pas où ça se vend. Donc ensuite, alors de chez Corinne de Farm. Donc douche et corps, bon moi je l'utilisais plus pour l'intimité. Alors ça sent le sulfate, fabriqué en France, et c'est l'extrait de fleurs de amandier. Donc c'est extrait de 100% naturel, donc c'était plutôt pas mal. Mais moi je préfère sur format pompe pour faire la zone d'intimité quoi. Parce que franchement ça moussait quand même assez fort. Parce que souvent j'ai pas la main légère sur le truc. Donc bah, puis comme c'est un format comme ça où il faut appuyer, donc tout il sort d'un coup, voilà quoi. C'est pas l'idéal. Donc faut rincer, rincer, rincer. Et moi je suis usée. Surtout quand t'as pas le temps quoi. Donc bah ça je ne racheterai pas. Alors on a terminé les Maltesers. Donc ça c'est plutôt bon. Hein. Voilà. Je rachète occasionnellement. Genre une fois par an ou une connerie comme ça. Ensuite ça les tuiles salées j'aime pas du tout. Donc c'est la marque Auchan. Et ils sont pas bonnes celles-là. Donc voilà. On rachètera pas, enfin moi du moins. Ma mère elle aime bien. Donc, bon, voilà. Ensuite, je viens de finir le signal. Voilà. Pourquoi pas racheter? Parce qu'il y a une languette bleue. Donc c'est plutôt bon. Alors ensuite, on a terminé le jockey. Le fruit à l'orange. Donc 100% fruits. Donc. Ça, on rachète assez régulièrement. Allez savoir pourquoi j'ai mis de l'eau. Je ne sais pas, mais elle était bonne. Alors, ensuite, comment s'appelle ça? Du dissolvant. Je ne rachèterai pas celui-là. Il vient de Action, je crois. Mais je le rachèterai pas. Je l'achèterai plutôt avec une senteur coco ou ce genre de choses. Parce que. Ça sent meilleur. J'ai terminé le masque Action là avec la tête là. Je l'avais mis en photo sur Insta si vous voulez voir comment ça fait. Donc ensuite les patchs pour le nez là de chez Bioré Ultra Nose, je sais pas quoi là. Bon, c'est plutôt bien. Pourquoi pas racheter? Ça enlève quelques trucs, donc c'est plutôt pas mal. Oh, il est tout crade lui, qu'est-ce qu'il a foutu. Donc ensuite celui-là je le jette parce que bah il est périmé, puis j'ai cassé ce côté-là. Enfin là je l'ai remis, mais je l'ai cassé dedans, donc bon, bref. Et puis de toute façon ça fait un moment que je l'ai, donc je le jette. Mais il était bien celui-là. Par contre, je reprendrais. Si je devais en choisir d'autres, je ne prendrais pas cette couleur-là. On voit à peine. En fait, elle est plus claire que celle que j'ai déjà. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas en fait. Et ensuite, j'ai terminé le Laura Mercier. Enfin, presque terminé. Et il est plutôt bien. Il apporte de la longueur, donc j'aime bien. Il est plutôt pas mal. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, à très vite et puis bonnes vacances!